Il n'y a eu aucune augmentation d'impôts depuis ce mandat. Ça vous a pas échappé. Depuis que nous est arrivé en 2015, donc mandat, budget 2016, il n'y a aucune augmentation d'impôts. Et dans le même temps, on a désendetté le département de 37 millions d'euros. Aujourd'hui, notre budget, on peut continuer à investir fortement, je vais y revenir sur les grands axes. Mais c'est fragile. On a une recette conjoncturelle volatile, les droits de mutation liés à l'immobilier, qui est dynamique, mais qui finance des dépenses sociales structurelles. Pour faire court, les dépenses sociales sont couvertes, qui devraient être normalement couvertes à 100%, puisqu'elles ont été transférées, elles le sont à 60%. Et rassurez-vous, tous les gouvernements, je peux citer les trois derniers présidents de la République, tout le monde y est passé. Donc il n'y a pas de changement sur ce point. Donc c'est un vrai sujet. Parce que demain, vous avez un retournement de conjoncture, comme on l'a connu après 2008, les départements seraient tout de suite en grave difficulté.